là. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est à l'aéroport de Charles de Gaulle. Mélanie, elle est là-bas. Elle ne sait pas du tout ce qui l'attend. On va voyager menotté et on va rester 24 heures ensemble. Veille. Alors, tu sais, il faut que tu sois collé à moi. Je peux leur raconter ton mail ou c'est pas mal. Mes secrets de fabrication. Ah, okay, ça, c'est les liftings. Vous voyez, quand tu fais trop de lifting. Je suis pas lifté, espèce de malade. C'est une cocherie. J'ai pas 40 ans. Ah pardon. Tu as même pas demandé si ça servait à quoi ça. Ah tu rigoles là hein. Mais Romain, on est à l'aéroport, on va avoir des problèmes avec la douane. Veille, tu me dis tout le temps, ouais je veux qu'on soit collé. Yann là, donne ta main. En plus on va chez moi en Tunisie. C'est officiel, je me casse. Reviens là. Allez Pépito. Nous sommes menottés pendant 24 heures et nous allons prendre l'avion. Menottés. Et voilà les gars, nous voilà dans l'aéroport. En fait, je suis en train de me poser une question là. Elles sont où les clés? Commence même pas. Mais la tête de ma mère, je sais pas où elles sont. Ouais, d'accord. La tête de ma mère, j'ai pas les affaires. Elles sont dans tes affaires. Romain, t'es quoi qu'on a quand même un truc, un portique de sécurité, un truc qui fait bip bip. À cause de toi, on fait des sangs. C'est qui a eu le masque? À cause de toi, tu mets le masque. Mets le masque. Quel masque? On est dans l'aéroport, on va avoir des problèmes. Bonjour madame, on cherche pour aller à Tunis, s'il vous plaît. Je peux pas trop m'écarter puisqu'elle me tient. Je peux pas. Rome. Arrête. La dictature chez toi, c'est comment? Là aussi, attends, on va arriver devant, tu vas me dire porte. N'importe quoi, c'est moi qui fais tout. Toute ta vie, c'est moi qui fais tout. Même je te lave carrément, arrête, dis la vérité maintenant. À Paris, je serais ravie d'être menottée à lui. Mais là, à l'aéroport. Toi qui as voulu être collé, non? Bah oui, mais bon, collé, le problème, c'est que vous avez vu, j'ai envie d'être collé avec lui, mais seulement quand il y a une boîte de nuit, quand il y a des filles autour, comme ça je peux le tirer, comme ça je peux dire il est à moi. Bonjour, bonjour madame. Vous voulez vivre avec votre homme collé comme ça ou pas? Oh, là, voilà, tu bien. Tu vois, il n'y a pas que moi. Vous avez un argument ou pas pour ça, là, sérieusement? On ne peut pas faire confiance aux hommes, il faut les attacher. Voilà, la vérité sort de les personnels Air France. On peut faire confiance à un homme? Non. Oh là là! Vous pouvez me défendre? Venez me défendre, voilà, j'ai quelqu'un qui me défend. Moi j'ai la dame qui me défend là-bas. Bon, allez, viens, on en prend les bagages. T'es empoté, hein? Mais... Oh, non, t'es empoté. C'est là-bas! T'es empoté! Fais n'importe quoi là! Scanne le code barre. 2. Placez votre bagage sur le tapis. 1. J'ai pas de force. Me fais pas mal, hein? Il y a 30 kilos à une main, mais tu crois que je suis. Arrête de mentir. Tu vas là, tu vas au sport matin, midi, soir et t'es pas capable de porter une valise. Oh putain! 34,3 kg. Mais oui, je peux tout. Mais y'a des affaires. Mais tu leur as dit, tu partais combien de temps? Pour enlever 2 kilos. Mais ouais, je suis avec une main, tu crois que je suis empoté moi. Donc voilà, ça c'est ma meuf. Voilà, on arrive, y'a 2 kilos de trop. Voilà, devant tout le monde. Ça c'est à qui? Ça c'est à qui? En vrai de vrai, t'es venu usurper ma valise. T'es venu, t'as mis tes affaires dedans. Attends, mais tu crois que tu vas enlever 2 kilos là? Mais j'ai pas le choix. C'est marrant. Et voilà les gars, donc mission presque accomplie puisque on a enlevé 4 kilos finalement au lieu de 2. T'as réussi. Par contre, on a 75 euros à payer. On fait comment là? Sors ta carte. C'est pour empêcher qu'il fasse des conneries. Ah bon? Oui. Ou peut-être que vous en fassiez vous. Ah voilà, tu vois, pour une fois. Oh là là, franchement là ça fait 2. Quelle solidarité masculine, ouais. C'est aberrant. Non, mais bon, c'est pas facile. Ça va, voilà, en tant que bonhomme, paye l'excédent de bagage. Je paye ces surplus de string et ces. Il y a 29 kilos de string. Merci maman. Merci d'avoir choisi en France. Bon, jusque-là, ça va, ça passe, mais. Il y a un mec là qui travaille dans la sécurité ici, il nous a dit faites plutôt la fin de soirée attachée parce que là ça va pas le faire, je crois, dans l'avion. Je t'avais dit, on va voir comment ça se passe. Arrête de me faire ça. Je sais pas, t'es à quel âge, 4 ans et demi? C'est toi, on dirait t'as des spasmes en fait. Ouais, et on fait comment là si j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant? On fait comment maintenant? Quel bail? Je vais pisser où? Ah, allez, ah, c'est quoi maintenant? Bah tu pisses pas, t'ouvres ta bouche, tu fais ah. T'avais là, c'est quoi le problème? Bah là en fait, là on passe. On passe la douane. On passe à la police et là ils nous regardent bizarrement, je vois. Ils se demandent c'est qui le détenu. Bonjour. Bonjour. Les cartes d'embarquement aussi ou pas? On va à Tunis. On peut pas filmer parce que c'est la police, mais voilà, on est au premier barrage de police. Merci, merci. Monsieur. Merci.
Au revoir et bon courage. Successful, guys. On n'est pas recalés. Attends, mais Bey, t'as pas les cartes d'embarquement? Elles sont là. Vas-y, mais regarde, je suis un chameau, j'ai un sac à gauche. Est-ce que t'es capable de passer là en dessous direct? Romain. Vas-y. Romain. Vas-y, ma vie. Je suis pas gymnaste. Je suis pas Simone Wilde. Regarde. Voilà. Un con. Ah. On est chargé, regardez, je ressemble à un chameau. On s'est fait griller. Ah vas-y, t'es lente, hein, la vie de ma mère, t'es lente de ouf. Je viens numéro 1, j'ai un sac à main. Et numéro 2, j'ai ton sac, d'accord? C'est très lourd. Bon. Tiens. Là, on va essayer de passer. Tu vas avoir sac. Ah oui. Là, on Merci. Va essayer de passer. Passez d'abord. Ah, je passe en premier. Ouais, levez votre main. Vas-y, bon. Oui, mais madame, faut pas qu'elle passe. Cap. C'est lourd. Oh là là, merci. Merci, hein. Vas-y, grave cool. Merci beaucoup. Oh, merci, c'est grave cool. Bonjour. Comme par hasard. Par hasard de quoi? Comme par hasard. Tes strings métalliques là qui sonnent. Non, mes strings métalliques ils sont dans la soute. Hein. Ah, parce que t'en as ramené. Ah, vous faites 24 heures menottées? Ouais. Ouais. Ah ouais. Et là, ça fait combien de temps? Là, ça fait quelques heures. Là. Ça va? C'est pas trop compliqué? Non, bah, ça va. Je ressemble à un chameau. Pourquoi vous êtes menotté? T'es une technique pour empêcher ton mec de te tromper. Ah, allez. Oui. Moi, ouais, c'est une bonne technique. Voilà, voilà. Ah, tu vois, toi, t'es mon pote. Sérieux, quoi? Toi, t'es mon pote. Solidarité, quand même. Non, non. Oui. Ouais, toi, tu vas attacher ta meuf, toi. Non. Ah, là, tu faut dire pas, oui. Là. Non, non, c'est une bonne technique, mais j'ai pas envie de le faire. Ah, ok, d'accord. Ah, mais c'est une bonne technique. Oui. Vous avez déconné, c'est ton idée, ça, c'est sûr. Non, c'est la sienne, en plus. Non, c'est sûr, c'est ton idée. C'est sûr, ça vient de toi. C'est son idée. C'est sûr. En plus, c'est son idée. Vous avez une question? Ah, pour faire une photo? Vas-y, hein. Tu fais quoi, là? Bah quoi? J'ai besoin de Julien pour ici. Passe ici en même temps. Mais t'as ton, mais t'as mon truc. Ah j'ai les deux. Mais oui. Mmh. Tiens, bah passe là-bas, en même temps que moi. Moi je passe. Et moi il passe quoi? Ah ça y est. Oh il y a un mec là, juste avant qu'on passe, un mec de sécurité, il a arrêté, il a regardé Mélanie, il a dit « Oh mais la night, je savais que j'allais te croiser, mais je savais pas si c'était le jour ou la nuit. » Il a fait un clin d'œil, il a fait « Night ». Après quand on est passé devant lui, il a dit « Ah vous êtes menotté en plus !» Il nous a laissé passer. Merci. Bon les gars, là on arrive dans l'avion hein, pour l'instant, et on est toujours menotté. Et je suis toujours chargé. Ah ça c'était string. Vas-y donne. Ouais, excusez-moi, putain, c'est compliqué, hein, me noter comme ça, là. Vas-y, baisse-toi. Et voilà le travail. Ça, c'est du lourd. Bon, moi, quand même, hein. On est sur un bail de 90 kg à 1,87 m. Bah, franchement, je le sais. Bien arrivé en Tunisie, toujours enchaîné. K.O. là, il est 1h du mat, je suis éclaté. Vas-y, mais je suis KO là. Attends, j'ai oublié, faut que je dorme avec toi avec ça aussi. Bien sûr. Ça ne me dérange pas trop. Évidemment, il a fallu que madame monte. Mets ton bras de l'autre côté. Je sais pas pourquoi tu montes derrière comme ça normalement. Ah bah tu sais quoi, reste comme ça et puis voilà. Pourquoi c'est allumé là? Pourquoi? Déjà, je suis mal installé. En plus, il me faut une chaîne comme ça. Oh! Là, on vient d'arriver à la maison, chez moi, on est épuisé, il est 3h du matin, j'ai toujours pas été aux toilettes. Tu vas oser faire pipi devant moi? Mais juste une question à poser, avant les toilettes, comment je vais faire pour enlever mon t-shirt? Tu l'enlèves pas. Attends, bah non, si tu l'enlèves pas, mais après tu peux mais prendre, tu peux pas, parce quand même qu'il arrive, te mousser. Attends, attends, mousser, bah non, tu peux enlever le t-shirt, mais tu le laisses comme ça, parce ah, que la main. Manche. Ah la main, ouais. Toi tu peux te laver, moi je peux pas. Bah j'avoue que toi ça va être compliqué. Non mais t'abuses. J'ai envie de faire caca moi, je fais comment moi? J'ai vraiment envie de faire caca. Et ben je fais ça et je me pince le nez. Attends, recule un peu. Tu veux que je te gêne le papier toilette? Franchement t'es relou là. Arrête de relou, elle découvre toi en fait. C'est de la triche. Laisse-moi te concentrer. Par contre c'est un vrai problème là. Je peux pas faire caca devant toi, Bey. Ah. Ça, c'est ta place de lit, ça, c'est ma place de. Ah, j'ai une solution! Si, je vais te prendre dans mes bras. Super! Non, on est pas mal là. Mais là, c'est... moi, je suis en kiff. Ah, vas-y, dors là, allez, c'est bon. Putain, par contre, c'est chelou là, les menottes là, je vais dormir en menottes comme ça? Ah, ça va, tais-toi et fais câlin. Bon, les gars, sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à demain! Ciao!
J'ai du mal à filmer parce que je filme pas avec ma bonne main, mais... Je crois qu'elle dort encore. C'est pas évident du tout de filmer comme ça, genre... Bay. Bay. Désolé pour la filmance, là, mais... C'est très bien, ça. Bah voilà. Ah bah voilà. Je pouvais même pas me retourner. À un moment, j'ai voulu me retourner. J'ai fait ça. Et voilà. Il m'a fait des câlins toute la nuit. J'enlève le zip. J'enlève l'épaule. J'enlève le bras. Je le descends. Pourquoi ? Tu peux enlever la combi, là ? T'as vu pourquoi je te déteste ? Parce que à chaque fois que tu fais des vidéos, tu me préviens même pas de la tenue vestimentaire la plus facile et adéquate. Prends mon t-shirt, mais... Bah c'est pas mal, ça. On est bien, là. En plus d'être une chienne en laisse, je suis un porte-manteau. Un quoi ? Un porte-manteau. Bah ouais. Ah. Bah franchement, ça va, hein. Franchement, ça va, hein. Je suis sale sur une cuvette. Ah, au moins déjà, le point positif, c'est que tu puisses faire pipi. Non. Hey, j'espère qu'on va pas mon... Tu vois, moi, je vais laisser quelqu'un boire ton vin. Hein. Surtout que mon... Hein, il est... Tu vois, c'est quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Tu vois, je... T'en as pas marre de dormir ? Laisse-moi tranquille. J'en ai marre, là. Eh, Romain, écoute, la mienne, t'as vu, on est en vacances. Ok, t'as vu, on tourne, on fait une vidéo, tout ce que tu veux. Mais t'as vu, parfois, j'ai besoin de repos. Lever 9h en vacances en juillet. Mélanie, pas possible. Mélanie, besoin de sieste. Non, mais allô, regardez, les gars. Il y a la plage, elle est juste là. Elle est là, la plage. Regardez. Vraiment fort. Regardez, les amis, la plage, elle est juste là. Elle est là. Je suis fatiguée. Tu peux me laisser dormir en fait ? Ou c'est trop demandé ? Ça fait 2 heures, on est posé là, je suis posé à côté de toi, j'ai envie de me baigner, marcher sur la plage. Romain, dis-moi, écoute, tu parles de faire les gouilles, je me baigne comment en fait ? Déjà, je suis même pas lavé, toi t'es propre, moi je suis sale, je vais faire quoi moi ? Je vais t'attendre, je vais me mouiller comme ça, je vais rester chemette mouillée avec l'eau de la mer et le sel ? Pas du tout ? Vas-y, enlève-moi ça. Enlève-moi ta merde. Comment ça, enlève-moi ? Enlève-moi ça, trouve la clé, enlève-moi ça, ça y est, je tiens plus. J'ai pas la clé. Romain. Commence même pas à vouloir m'énerver parce que je te jure que je trouve là les blagues comme ça, voilà, ça va pas le faire. Je n'ai pas la clé. Elle est où la clé ? Elle est où ? Mais je crois que je l'ai laissée chez moi. Non, tu me mens. Bah, si. Et j'enlève ça qu'à moi ? Bah ce sera ton défi. Vas-y, en plus tu crois que je blague ? Aïe ! Aïe ! Et je te rappelle que je suis avec toi moi ! Aïe ! Malheureusement ! Mais tu vas où là ? Je sais pas ! Je veux partir. Toujours en toxique, toute ta vie. Jamais de la vie, tu vas faire un truc de normal. On met des menottes à côté, c'est quoi ça ? Je sais pas. C'est comme tu vas aux toilettes sans PQ, n'importe quoi. T'es pas obligé d'aller aux toilettes avec du papier ? Tu peux aller à la toilette avec le tuyau d'arrosage, hein. Mais quel kleptomane de parfum ! Incognito, c'est parti ! Attends-moi ! Oh merde, j'ai oublié, pardon.